je venais là-bas quand ils avaient commencé. Et on distribuait les brochures là-bas et on venait de temps en temps prier avec eux à la première rue. Et je venais avec un billet de Coloisi. Donc je le connais très bien, très bien. Et j'ai beaucoup aimé son humilité. Et nous recevait très bien. Et vraiment, je regrette beaucoup son départ. Donc pour moi, nous avons perdu un baroba. Et je voudrais présenter mes condoléances les plus émues à mon fils, le pasteur Moïse Mbillé. Il a perdu un papa et nous sommes là comme ses papas aussi. Et vraiment, je regrette, on a entendu ça et j'ai été très ému. Nous regrettons son départ. Pour tous ceux qui sont là-bas dans Cité Bethel, ils ont perdu un monument, un évêque. Et moi je pense qu'il est un monument. Il est un monument. Il a commencé une œuvre et cette œuvre a prospéré. Et Dieu l'a retiré, c'est ce que nous regrettons. Et je leur dis, soyez unis. Soyez unis pour que cette œuvre aille de l'avant et que le travail qu'il a commencé puisse continuer. Soyez unis. Soutenez cette œuvre. Soutenez son fils pour que l'évêque, le travail qu'il avait fait, puisse produire des bons fruits.